Salut à tous, dernier épisode en date d'une immense licence initiée en 1996 par Core Design, Shadow of the Tomb Raider est sorti le 14 septembre 2018 sur PS4, Xbox One, Windows et Google Stadia. Développé par Crystal Engine, cet opus relate les aventures de la magnifique Lara Croft et de son collègue Jonah, et fait suite à l'excellent Rise of the Tomb Raider sorti en 2015, qui lui faisait suite à Tomb Raider sorti pour sa part en 2013. Il permet de clôturer ce que certains appellent la trilogie Survivor, qui à son tour a permis de prolonger la saga au travers d'un tout nouveau moteur de jeu sur la génération de consoles précédentes, même si certains n'ont de cesse de dire que c'est un copier-coller de la saga Uncharted, initiée quant à elle sur PS3. Les deux opus précédents ont eu un effet monstre sur ma petite personne lorsque j'ai enfin eu le temps et l'occasion de me les faire. Que ce soit graphiquement ou encore au niveau gameplay, j'ai pris une gifle qui aurait pu me décoller les quelques chicots encore valables. Mais qu'en est-il de cet opus? Voyons voir cela. Comme d'habitude, je prends toujours des plombes à passer des caps de génération de consoles et lorsque j'ai enfin franchi le pas, il était tout à fait naturel que Shadow of the Tomb Raider soit un des premiers jeux qui me soit donné de terminer. L'ayant fait en quelques jours, il me reste quand même un espèce d'arrière-goût amer dans la bouche. Et un je ne sais quoi qui ne me donnait pas du tout envie d'y retourner et de terminer toutes les missions secondaires proposées par ce jeu. C'est parti pour un petit avis tout personnel qui n'engage que moi. Que ce soit graphiquement, que ce soit au niveau sonore, ambiance ou bien prise en main, je n'aurai strictement rien à dire de négatif sur ce jeu. Il est sûrement un, si ce n'est, le plus beau jeu auquel j'ai joué à ce jour, même si actuellement mes débuts sur Days Gone sont bien partis pour le détrôner. Suite à un post de ma part sur Facebook, une personne a attiré mon attention sur quelques détails qui ne m'avaient pas pour autant échappé lorsque je parcourais ce soft. Déjà, si on parle du scénario, même si j'ai toujours aimé tout ce qui touche de près ou de loin aux civilisations sud-américaines, le gros point négatif de ce jeu est que la belle Lara passe juste pour une grosse fouteuse de merde pleurnicheuse. Et je me demande comment son pote Jonah n'a pas parfois eu envie de lui décocher une putain de droite. Et je ne sais pas si c'est à cause de cela, mais je n'ai pas réussi à accrocher à l'histoire, et ce malgré cette ambiance juste magnifique. Aucun personnage n'a réussi à attirer ma sympathie, mis à part le fameux passage où l'on incarne la petite Lara lors de son enfance dans la demeure familiale. Les énigmes, quant à elles, mis à part une ou deux, m'ont paru tellement simples que je me suis demandé si c'était fait exprès pour rendre le jeu accessible à tous. En parlant de sa difficulté, ce que j'avais adoré dans les deux précédents opus était le côté survie du jeu. Devoir chasser des animaux, fabriquer ses vêtements, ses armes, rajoutait un gros plus au gameplay. Et il fallait jouer pas mal d'heures avant d'obtenir des armes à feu. Ici, hélas, on est très vite en mode guerrier. C'est-à-dire que ne se fera plus qu'à nous le choix que l'on prendra pour éliminer nos ennemis. Évidemment, comme dans ses épisodes précédents, Lara est limite indestructible. Elle pourra chuter de 10 mètres et se rattraper à une branche d'arbre sans broncher. Et que dire de son apnée qui ferait pâlir Jacques Mayol? Notre personnage a la possibilité d'évoluer grâce à des points de compétences, mais à part pour les parties où l'on doit nager, je n'ai pas ressenti trop de différence, même pendant les phases d'infiltration. Le jeu, même en mode normal, ne présente réellement aucune difficulté, et même s'il m'est arrivé de mourir lors de coulées de boue ou lors de grosses phases de plateforme, les combats contre les boss sont limite passés tout seuls. J'ose même dire que j'ai trouvé le boss final ridicule. Désolé pour les fans. Au final, est-ce que Shadow of the Tomb Raider est un bon jeu? Oui, sans aucun doute. Est-il parfait? Non, clairement pas. Vais-je y retourner un jour? Certainement pas. Je terminerai en disant que j'ai quand même passé un bon moment, divertissant, mais je n'ai pas ressenti cette hype qui me poussait à m'obliger d'arrêter de jouer sur l'épisode précédent.
Fort heureusement, sorti en 2018, ce jeu possède des cinématiques à couper le souffle. Il n'y a rien à redire à ce niveau-là. J'espère ne pas avoir heurté la sensibilité des fans de ce jeu. Et si vous êtes en désaccord avec moi, avec mon avis, je vous invite bien évidemment à décrire en commentaire vos arguments. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, ciao !